Vous allez m'en dire des nouvelles. Lui, c'est Thierry Céo, 33 ans. Il est né le 2 novembre 68, mais qu'importe. Aujourd'hui, ça va être sa fête. Dans la ville, les cuisiniers, ça tombe plutôt bien. L'équipe de Pascal Selem lui a concocté une journée d'enfer pour le moins gratinée. Notre complice est Florence, sa femme. Thierry, il aime bien les blagues. Alors moi, aujourd'hui, j'ai en fait une. Florence nous a donné carte blanche. Il est 4h du matin, tout le monde est en place. Objectif, installer les caméras et les micros. Là, on a eu le double des clés et je cache un micro dans sa voiture. On va l'attendre à la sortie de chez lui. Il va prendre sa voiture, mais devant sa voiture, il va avoir René. Il est où, mon René? J'arrive. René qui prend un clochard. C'est un micro sur un clochard. C'est pas fréquent, hein. Mais oui, mon bon monsieur. Personne ne sort de ses caches pour le moment. Attention, la victime est là, tout le monde se tient prêt. On tourne. 6h30, Thierry sort de chez lui avec 5 minutes de retard pour commencer la journée. Il a un rendez-vous inattendu. René, notre clochard, s'est endormi devant sa voiture. Équipé d'une oreillette, Pascal le dirige dans ses moindres faits et gestes. Action. Encore. Mais lève-toi. Bon, il va se casser, lui. Allez, bouge! Tire-toi et bouge de là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Alors... C'est quoi ce bordel là? Dis-lui, je vous laisse partir, c'est bon. Vas-y, je laisse partir. Oh, pas chier, merde. Oh. Pascal le laisse partir. Thierry ne doit pas être trop en retard à son travail. La journée ne fait que commencer et le planning est chargé. Il y en a même qui ont de la suite dans les idées, n'est-ce pas, Pascal? On va lui pourrir la journée. Deuxième lieu du crime, la boulangerie, la boulangère, les caméras, la radio. Il est 9h, l'équipe installe le piège de la boulangerie. Dans une heure, Thierry doit passer pour récupérer une commande. Bonne occasion pour lui tendre un piège. C'est un piège de Pascal Selem. Pascal, justement, et Florence, la femme de Thierry, ont préparé un jeu radio un peu particulier. À peine remis de ses émotions clochardesques, il est 10h, Thierry arrive. Je vais chercher le gâteau pour la mairie. Allez, comme promis, on va jouer au C'est qui t'appelle et nous composons au hasard un numéro de portable. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Rire et Chanson à l'appareil. C'est qui? Rire et Chanson, la radio. Votre numéro de portable a été tiré au sort et on va peut-être vous faire gagner jusqu'à 50 000 francs. Vous appelez comment? Florence Céo. Alors, bonjour Florence. Alors, Florence, c'est ma femme, ça? Pour gagner jusqu'à 50 000 francs. Allez, oui, tout à fait, oui. Pourquoi pas? Ouais. Alors, Florence, attention, première question. Quelle est la capitale du Suriname? La capitale du Suriname? Oui, ça c'est ma femme qui a la radio. J'en ai parlé ce matin avec des collègues, c'est vraiment c'est le hasard. C'est ma femme, hein? Ce serait pour moi le Paramaribo. Ah oui, Florence, c'est ma femme. Bravo Florence, c'est bien Paramaribo, vous êtes très fort, bravo. Mais dites-moi Florence, au témoin d'adou, vous n'avez pas un dictionnaire à côté de vous quand même? Non, hein? Non, pas du tout, non. Et bien attention, pour 10 000 francs Florence, en quelle année Charlemagne a-t-il été sacré empereur? Alors Charlemagne, sacré empereur... Là c'est sûr, on n'a pas savoir. Il me semble que c'est en l'an 800. La réponse est exacte, Florence. Bravo. Bravo, vous venez, Florence, de gagner 10 000 francs. Mais attention, oserez-vous mettre cette somme en jeu? J'hallucine. Vous êtes prête pour gagner jusqu'à 50 000 francs? Question à 50 000 francs. 50 000 francs, c'est tentant, c'est vrai. Oui. Alors, vous êtes prête? Oui. Florence, pour 50 000 francs, quel est l'acteur principal du film Piège de cristal? Ah oui, je le connais, ce film. Ah oui, mon mari, c'est un fan. Ah oui? C'est un fan, j'ai sur vous la langue. Attendez. Mel Gibson. Mel Gibson. Je suis désolé, Florence. Bruce Willis. Oh,
qu'est-ce qui vous est arrivé? Putain. Oh là là. Dis donc. Qu'est-ce qu'il a fait là, Thierry? Attends, tu prends de besoin de ces rollers là. Alors Thierry, il aime la musique, la pêche, il aime évidemment ses enfants et puis moi. Et par-dessus tout, il adore sa petite Twingo avec son autocollant OM. En tarte et Thierry, c'est chose faite. Maintenant, il manque la cerise sur le gâteau, ou plutôt sur la voiture. Il est 11h, nos équipes s'improvisent supporters du PSG et vont droit au but. Pour Thierry, fan de l'OM, l'affront est de taille. Putain. D'ailleurs, elle est belle, hein. Il y en a qui a dégueulé dessus. PSG en plus, bonjour les boules. Si chope le salaud qui a fait ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez le bordel dans la maison. Le salaud, c'est lui. Au même moment, il organise le cambriolage dans la maison de Florence et Thierry. Non, c'est les verres. Non, non. Il est midi, la tension monte, c'est l'accident. Il essaie de te joindre, donc coupe ton téléphone, Florence, 2 secondes, s'il te plaît. Pascal demande au technicien d'installer un micro sur le portable de Florence. Il répond. Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Mais dis donc, j'ai mis du temps à t'avoir, j'ai essayé de t'appeler 2 fois déjà ce matin. Ouais, bah moi aussi, devant, j'arrive pas à te joindre. Mais t'as essayé de me joindre où, au bureau? Bah oui. Bah oui, mais j'étais en réunion. Et puis là, je repars, là, je suis dehors au parc. Ah d'accord, ok. Ouais, ça va sinon? Ouais, ça pourrait aller mieux, ouais. Pourquoi? Ils m'ont taillé ma voiture. Mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Si je le savais, je sais pas. Mais où t'étais? J'étais avec mon chef en bas de mon centre, en train de chercher un gâteau, je me suis pris dans la gueule par 2 mecs qui faisaient du roller. Allô? Oui, mais je t'entends. Ah oui, non, mais parce que j'ai mon téléphone qui fait bizarre. Moi, te mente, j'ai eu un jeu sur la radio. Ouais, avec Bruce Willis, je sais, j'entends. Tu m'as entendu? Bah oui, je te dis. Ouais. Tu devais être vert. Non, bon, tu sais, bon, j'en étais aujourd'hui, ça allait, quoi. Tu finis à quelle heure? Bah, 14h, normalement. Ouais, mais rien d'autre, ça va aller. Ok, on y va. Thierry ne croit pas si bien dire. 5 minutes plus tard, Florence le rappelle. Une fois de plus, Thierry tombe dans le panneau d'une journée d'enfer. Est-ce que tu peux me mettre une image? Oui. Oui, allô bébé? Ouais. Ouais, je suis à la maison là. Ouais. Il y a la police qui est à la maison. Ouais. Et on se serait fait cambrioler. Tu peux venir? Ouais, j'arrive. Ils l'ont bien pourri la voiture. Hein. Bah ouais, je l'ai pas acheté comme ça. Hein. Notre victime est vraiment sur les nerfs. Il n'est pourtant pas au bout de ses peines. Il est 13h15. Thierry arrive chez lui pour planter le décor. Une voiture de police, mais la surprise se trouve vraiment à l'intérieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, police nationale. Bien, on a été prévenu en fait par une de vos voisines, comme quoi apparemment il y avait eu un cambriolage. Non, regarde bébé, t'avais commandé quelque chose ce matin? J'ai eu deux livreurs qui sont venus, m'ont livré ce carton là, et maintenant il est vide, je sais pas ce qu'il y avait. T'avais commandé quelque chose? On va essayer de récapituler un petit peu ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous êtes parti. La seule chose qui nous embête un petit peu, c'est que pour l'instant, nous, on est arrivé ce matin, il n'y avait aucune effraction. Qu'est-ce que vous avez comme chien? C'est des gros chiens? Non, c'est des yorks. C'est des yorks qu'on fait ça? Des espèces de faux cambriolages, ça arrive quand même assez souvent. Des gens qui veulent en fait faire passer un certain nombre de choses et qui simulent un cambriolage. Donc, on se fait rembourser parce qu'en plus, on va passer pour des voleurs. Ah non, écoutez, on a. Non, mais. C'est des choses qui arrivent, monsieur, vous savez. Ça arrive, on est obligé de. Donc, c'est 4 ans aussi qu'il a fait ça, peut-être. Il est rentré ce matin de l'école, il a tout pété, puis il est reparti à l'école. On a arrêté un petit peu, s'il vous plaît. Et le. Ah, t'as pas vu encore toi? Non, mais non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle a, votre voiture? Ah, bah, elle est taillée de partout. Elle est taillée de partout. Moi, ce qui me m'intrigue, c'est ce carton là. Écoutez, là, franchement... Patrouille 1 à toutes les patrouilles, patrouille 1 à toutes les patrouilles. C'est le troisième cambriolage depuis ce matin. Suspecté d'avoir commis des cambriolages dans le secteur. Terminé. Oui, patrouille 2, nous sommes sur un site 212. Est-ce que vous pouvez nous donner votre position, s'il vous plaît? Affirmatif, on est voie de Compiègne. On est juste à côté, on est au 2 bis rue des Érables. Est-ce que vous pouvez passer pour une vérification? Terminé. Affirmatif, on arrive. Si vous pouvez trouver des factures... Les lacs de mon père, mais j'en sais rien. Voilà. Ah bah attendez, les voilà si vous voulez bien... Tu as bébé. Si vous voulez bien nous suivre.
Il est 17h, c'est peut-être le moment d'annoncer à Thierry enfin une bonne nouvelle. Je vous jure, la journée, mais c'est infernal. Mais ça va faire courant d'air. Salut les gars. Salut. Bonjour. Le monsieur Céo qui a été victime apparemment d'un cambriolage. Allez. On va regarder dans le sac. On nous dit s'il y a des choses qui sont à vous. Il y a ça. Oh là. C'est à vous, ça, monsieur ? Oui, c'est les délices, c'est le service. Ah, d'accord. C'est tout non, ça. Non, oui, tout ça, c'est à nous. Hein. Tout ça, c'est à nous. Mais par contre, il n'y avait que ça ? Oui, il n'y avait que ce sac. Dans le véhicule appréhendé, il n'y avait que ce sac. Non, parce qu'à la maison, on a un gros carton que j'ai reçu ce matin. Il était hyper lourd. Et il n'y a rien. Lui, il n'y avait que ce sac. Il n'y avait que ça. Hein. C'est sûr, c'est lui ? Comment t'es rentré dans l'appartement, toi ? T'es rentré dans cet appartement ou pas ? Je crois que c'est le moment du dénouement parce que là, il comprend plus rien du tout. Je ne mens pas, je ne suis pas rentré. T'étais dans le carton. Qu'est-ce qu'elle me dit, la nana, là ? Quoi ? Oh, ouais, comment tu parles ? T'as pas tout savoir, là ? Oh ! Calme. On sait même pas que Bruce Willis était l'acteur principal de Pêche de Cristal, on se la ramène pas, ok ? Ça, ouais, non, mais bon. Quoi, ça ? Ça va, calme-toi. Non, mais attends. Quoi ? Non, mais c'est ça, il était dans le carton. Bah, t'étais dans le carton, t'es sorti du carton, t'as mis le bordel et t'as tout pris. Bah, ça, comment ah, mais oui, c'est vous. C'est ça, c'est vous qu'on avait entendu à la radio. Des petits problèmes. Monsieur ouais. Colombo. Bonjour. Inspecteur Colombo. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, aujourd'hui ? Ah, pas mal de choses, mais apparemment, je me suis fait baiser en beauté, on a eu quelque part. Vous croyez ? Oui, je crois bien. Ah ouais ? Mais si ça se trouve, vous êtes piégé pour la nouvelle émission de Pascal Selem, une journée d'enfer. Ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. M'attendez ? Ouais, bah je viens comme promis. Ah bah oui, c'est parce que j'étais à la selle. Ouais. Allez hop, vous allez m'en dire des nouvelles. Ouais. Oh là là. Ah, crache. Elle a bavé un peu. Ouais, il est pas bon, hein. Il est dégueulasse. Quoi ? Il est dégueulasse. Tis bon, hein. Tis. Ah, c'est très bien ça. Hein ? C'est génial ça. Il est bien, hein ? C'est cool, hein ? Pète, hein ? Il titre beaucoup en alcool, non ? Ah bon ? Je sais pas, non ? Peut-être parce que je l'ai pas bien mélangé. Mais fameux, hein ? Il pète un peu plus haut que son cru quand même. Ouais, mais il est bon, hein ? Il est bon. Hein ? Hein ? Vous en mettez combien ? Hein ? Vous en mettez combien ? Oh, bah rien ! Rien ? Non, vous y goûtez comme ça. Ah ouais, il est bon. Hein ? Hein ? Ah ouais, il est bon. Un petit goût de fruit, hein ? Oui. Vanille, chocolat. Vanille, oui. Oui, il est très très sucré. C'est effectivement, il y a de la vanille. Pistache. Oui. Ah ouais. Oignon aussi. Oignon, j'ai pas trouvé. Oui, il est pas mal. Petit goût de fruit vert. Mais il est dur, comment ça se fait ? Bah, c'est le cornichon, ça. Hein, il y a un petit goût de cornichon. Vous voyez pas ? Il est pas mauvais. Par contre, il pique un vache. Ah bah, c'est le cornichon qui fait ça. Et c'est combien la bouteille ? 190. Non, sérieux ? Bah ouais, parce qu'on met des beaux cornichons dedans. Sans moi. Pourquoi ? T'as pété ? Non, mais... Ah, bon. Peut-être besoin d'un petit peu de s'oxygéner ou... Ouais, bah on met de l'alcool, là, c'est parce que vous savez, c'est ils pressent le raisin avec les pieds, alors comme il y a des champignons, donc on met beaucoup d'alcool pour enlever les microbes. C'est vrai qu'il a du... Hein, il a du corps. Il a du corps au pied, voilà, c'est ça. Je suis un petit peu, comme vous dites, je suis un petit peu enrhumé. Ah, bah ça doit être ça. Juste... Prenez un petit bout de raisin pour en faire passer le goût. Ah ouais, je vais prendre tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, raté, hein. D'accord, non, non, pas bouger, pas bouger. Bon, sur ouais. Le nez, sur le casard. Ah, hop, t'as vu ouais. Et encore, je vais être mis le levain, moi. Ah. Hey, free point. Hey.
Faut pas, pas en boire de trop. Ah, oui, avec modération. Ah, oui. Hein. Voilà, pas plus de 2-3 litres. Hein. On sent. Allez, bonne journée, monsieur. Allez, au revoir. Bonjour, c'est Troc Troc, votre nouveau jeu quotidien de tous les jours. J'ai plein de cadeaux à vous offrir, mais bon, il me faut quoi d'abord? Il me faut un candidat. Allez, venez, on y va. Attends, allez, viens. Venez. C'est là, c'est là, c'est là. Ouvrez, je sais que vous êtes là. Il y a la clé, c'est bon. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. C'est Troc Troc, le nouveau jeu. Oui. Vous êtes joueuse? Ah non, je connais pas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes joueuse? Vous êtes joueur? Oui. Ouais. Assez. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors regardez, là j'ai trois charmantes demoiselles. Elles ont chacune un cadeau. Dans un des cadeaux, il y a un voyage à l'île Maurice. Dans un autre cadeau, il y a une console de jeu. Et dans un autre cadeau, bah, c'est un cadeau nul, quoi. Voilà. Le cadeau pas de bol, quoi. Donc, vous choisissez un des trois cadeaux, mais en contrepartie, attention, je vais vous demander de me troquer un objet de chez vous. Un objet? Ouais, quelque chose de chez vous. La chienne. Non. La chienne, je pense. Non. Vous êtes d'accord pour nous troquer quelque chose de chez vous? Ah ouais, attendons, attendons, attendons. Ah. Ce qu'il faut que je dise, c'est que c'est moi qui choisis. Ah. Ok, tout. Alors attention, parce qu'il y a quand même un voyage à l'île Maurice. Une console de jeu ou alors le cadeau, bah, pas de bol, le cadeau où il n'y a rien, quoi. Ça vous branche? On y va? Alors je vais demander à Maître Véreux, notre huissier de justice, de bien vouloir vous faire signer le papier comme quoi vous êtes d'accord pour nous troquer quelque chose contre un des cadeaux. Le valet, t'es d'accord, hein? Oui, bah. Ici. C'est bon, c'est signé? Je vais récupérer. C'est signé, mmh. Voilà. Merci, Maître Véreux. Mmh. Maquilleuse! Yep. Ah oui, un petit peu quand même, parce qu'on passe à la télé, hein, c'est pas n'importe quoi. Ok, hop. Du coup, voilà, c'est le tac. Alors vous choisissez quel cadeau? Bleu. Le bleu, vous êtes sûr? Oui. Le bleu, hein? Oui. Vous êtes sûr? Oui, le bleu. Ok, c'est parti. Donc elles ont choisi le bleu, et à moi de choisir maintenant. Allez, on rentre. Tout le monde. Allez. Pas, non, pas tout le monde. Oh là là, comme c'est... Oh, puis on vous a pas dérangé du tout, vous étiez en train de déjeuner. D'accord, en train de manger. D'accord. Ah non! Ah. Ah. Ils sont bien ces fauteuils. Non, non, elle est pas bien. Ah, vous avez signé, vous avez signé. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ici? La télé, la télé. Non, la télé, non. La télé, non. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh non, non. Ça, ça me plaît pas. Regardez dans la cuisine, hein. Regardez dans la cuisine. C'est quoi, c'est quoi? Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mangé, moi, donc... Ah, ça, c'est joli, ça. Vous faites collection, non? Oui. Ah ouais. Ce serait bête hein, qu'il y en ait un en moins, quand même. C'est la collection à ma femme, hein. C'est à votre femme, donc vous vous en foutez. Non, non, pas du tout. On va aller voir la chambre, quand même. C'est où, la chambre? On va regarder les capsules, là-bas. C'est comment? Ah, ça, vous êtes collectionneur, c'est ça? Oui. C'est à vous, cette collection? Absolument. C'est une collection de capsules de quoi? De champagne? De champagne, ouais. Qu'est-ce que c'est joli. Ah ouais, ça c'est top. Ça c'est top. Il y a même celle de Jacques Chirac, dis donc. C'est top ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça? Zeus, Apollon. Oui. Je veux ça. Bon. Ah. Ils sont costauds, les mecs. Ah bah oui, c'est justement. Oui, je sais remarqué, mais après. Ça fait combien de temps que vous collectionnez ça? Quelques années déjà. Quelques années. C'est un peu con hein, d'avoir troqué ça. Bah non, je suis joueur. Non, non. Ça se trouve, vous avez gagné les plus chers légumes. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, il n'aurait pas fallu que je. Bon, bah maintenant qu'on a ça, c'est bon, tu peux aller mettre ça dans le camion. Hein. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on va demander à une de vos filles d'aller ouvrir le cadeau bleu. Le bleu. Alors, vous avez choisi le cadeau bleu? Oui. Eh ben, allez-y, les filles. Suspense. Ah, ça fait... ah, il y a une enveloppe. Ah. On déchiquette l'enveloppe. Il y a marqué quoi?
30-30, une console de jeu. Ouais, ouais. Ma collection est partie. Elle est pas comme une console de jeu. Ah, ça commence par X et ça finit par box. Mais on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. Voilà la console. Bon bah voilà, c'était nos premiers clients de Troc Troc. Ça vous a plu? Oui, oui. C'est ouais. Gentil. Vous êtes content? Oui. Bon bah on se dit au revoir alors. Au revoir. Au revoir, bisous. Un bisou. Oui. Bisous. Bisous. Non, non. Merci beaucoup en tout cas. Hein. T'as les jeux, tiens, donne. Voilà les enfants, donc. En plus c'est des jeux. Voilà. Oh. Et amusez-vous bien. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Et merci. Je crois que j'ai fait des heureux. Hein. Allez, à demain. Bonjour, on cherche Laurent Baffy. Merci. Merci. Ah bah. Top. C'est sympa ici. Hein. Oh, vous battez pas, Martine, Nicolas. Tiens. Il est là. Laurent ? Oh, Pascal, Marie ! Coucou ! Oh, ça va ? Qu'est-ce que vous foutez à Thoiry ? On est venu te chercher là pour faire des caméras cachées. Il y a plein de cadreurs ici, c'est une réserve des enfants. Hein. C'est les nôtres, c'est pour ça. Ah oui. Tu viendrais pas faire des caméras cachées avec nous là ? Mais attendez, j'ai un boulot honnête, moi j'ai plus de télé depuis des années. En plus des caméras cachées, vous rigolez. Allez, viens, pour la rigole quoi, allez, viens, viens, viens. Bon, je vous préviens, faut que je sois rentré à 6h, j'ai le suppôt de la girafe. Hein. Bon, d'accord. Elle a une angine. Premier à 6h, t'es là. Bon, tout à l'heure les enfants, hein, soyez sages, papa revient. Papa revient, allez, viens, je viens. Reviens. On va se marrer. Allez. Waouh. C'est beau, hein? Et c'est toi qui as fait ça tout seul? Ouais. Attends, regarde. Hop là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un gant virtuel qui matérialise toutes tes pensées. Je peux le mettre? Ouais, bien sûr. Et tu peux faire ça. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je pense à un truc, ça va matérialiser ma pensée. Ouais. Alors attends, laisse-moi réfléchir à un truc. Hop là, comme ça. J'ai une idée. Marie, viens voir, viens voir. Pas mieux comme ça? Oui, il y a encore des petits réglages à faire. Ouais. Ça remet normal, c'est quel bouton là, c'est le bleu. Il y a moins de... c'est Marie. Bon, sinon, qu'est-ce que t'aimerais bien faire comme caméra cachée? Alors moi, j'aimerais bien faire un truc avec des moyens hollywoodiens. Genre, on a un hélicoptère, on va à la campagne, et on atterrit dans une ferme, on leur fait croire qu'il y a une chasse au trésor et... Le bouton vert. Le bouton vert? Ouais. En tout cas, ton gant, il est génial. Si, si, vraiment. Hein. Secourtier ! Secourtier ! C'est la chasse au trésor, madame. La chasse au trésor, bonjour. Vous êtes madame Courtier ? Madame Courtier. Il est là, monsieur Courtier ? Il a dit, c'est chez lui. Paris, oui. Où est le poulailler? 12 minutes. 12 minutes, madame. Venez avec nous, madame. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez, venez, venez. Vite, Paris, combien de temps? 10 minutes, 10 minutes. C'est là, Laurent, t'es là, Laurent. Tu l'as? Tu l'as. Combien de temps, Paris? 9 minutes, 8:50. Stop. Je l'ai. Stop chronomètre, Paris. Ça y est, nous venons de trouver le premier indice. Salon. Dans le salon, tu auras la moins qu'on le salon. Le salon. Le salon, vite, le salon. Sylvie, le salon. Le salon. Non, 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 attendez, attendez. C'est où le salon? Vous rentrez pas tous dans la maison. Hein. C'est la chasse au trésor, monsieur. Le problème de Paris, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve le trésor? Quel trésor? L'indice. On a 8 minutes. Paris, 7 minutes 30. L'indice. Indice, je peux pas vous dire. Hein. On cherche. Allez, bonne continuation. Pourquoi vous me défoncez mes affaires? Eh ben, allez chercher la clé pendant ce temps-là, nous on est. Non, Pascal. Quoi? Paris, ils me disent qu'on n'est pas chez la bonne personne. Ah, vous êtes trompé, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le poulailler, s'il vous plaît. Dans le couloir, ici. Oui. Le poulailler, il est où? Vite, vite, le chrono tourne, monsieur. C'est la course au trésor, vite. Il est là-bas. Vite. Il reste 8 minutes! 8 minutes, c'est jouable! Comment sont les œufs, Paris? Les œufs sont jaunes!
Non, c'est pas celui-là. Je l'ai top. Top Paris. Top renommé de Paris. Oh non. C'est pas le bon. Fouille, fouille. Mais non, mais tu vas pas casser. Tu vas casser toutes mes yeux, non? Non, 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 mais j'ai un œuf jaune. Je l'ai. Top renommé de Paris. Voilà, nous avons l'œuf jaune. Dans le salon, tu suivras mes instructions. C'est dans le salon. Salon, tu suivras mes instructions. Le salon, le salon. Venez, suivez-moi. Attention, là-bas. On remettra tout après. Là, hein. Je l'ai. Ouais, top chronomètre, Paris. Top Paris, nous avons trouvé le troisième indice. Dans la cuisine, va fouiller dans la farine. C'est où la cuisine. Cuisine. La cuisine. La cuisine. Vite. Vite, vite, vite. Attention. Là, là, là. Non. Bon, la farine, la je farine. L'ai. Top. Top Paris. On a la top. Top Paris. Paris, Paris, top. Hey, c'est quoi ce bordel là, oh. Non, non, non. Attends, viens s'y nettoyer après. Oh, le travail. Oh là. Tiens, c'est ça que tu cherches. Quoi? Oui, 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 c'est ça. Top Paris. Top Paris. Top Paris, nous avons le l'autre indice. Alors. Dans le jardin, cherche le parchemin. Très bien. On est dans le jardin. Ouais. Merci beaucoup. C'est le bordel, là. C'est dans le jardin, c'est là le jardin. Allez-y, aidez-nous parce que là, sinon, il nous reste plus que 2 minutes. Ouais, ouais. Quoi? On l'est. Top chronomètre, Paris. Top Paris. Nous avons donc la 4e et dernière énigme, je suppose. Dans la chambre à coucher, tu vas enfin trouver. Chambre à coucher. Non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. La chambre à coucher, elle est où? Elle est où? Vas-y, fouille toi, fouille. Fouille. Doucement, oh là là. C'est je l'ai. Top Paris. Top. C'est la carte. Top. C'est la carte. C'est la carte du trésor. Top Paris. Manger là, moi. Vous mettez là, c'est là, non. Quoi? Mettez là-bas. Vous voulez pas le faire? Non, non, je suis désolé, je peux pas. Pourquoi? Non, c'est là, je peux pas. Bon, bah, tu vas aller manger ailleurs. Hein. Bah, ça, c'est vous qui voyez, mais je peux pas. Salut, les copains! C'est vous qui avez commandé un camion de purin? Ouais! C'est pour déverser ici? Ouais! Oui. L'autoroute de l'Ouest. Attends. Attention, malheureux. Marche arrière. Voilà. Vous allez dans l'autoroute avec ça? Ouais. C'est où? Vous pouvez pas monter dans l'autoroute. Pourquoi? C'est un agent d'ici. Hein? Vous pouvez pas aller dans l'autoroute avec ça. Ben, on n'a pas le droit. Vous allez à Rouen avec ça? Vous allez prendre la nationale de toute façon. L'autoroute irait plus vite, non? Vous montez à combien? Tout seul dessus. Vous pouvez pas prendre l'autoroute avec ça. Ah bon? C'est à partir du moment où c'est pas immatriculé, vous avez pas de carte grise? Non. Ouais, bah non. Ah vous bon? Pouvez pas. Hein. Si, vous allez peut-être pouvoir prendre la nationale. Oui, la nationale. Prenez les Champs-Élysées, ils sont juste en on face. On a le droit les champs en tracteur? Oui, ah bah oui. Vous allez prendre la nationale. Faut combien de temps en tracteur c'est à peu près? C'est vers la Pont Saint-Cloud. Avec le tracteur, 2 jours. 2 jours. Ok, merci. Au revoir. Bonjour. Alors, il me faudrait un roast beef dans le filet. Vous avez ça? Pour 12, mais bon, il y a des bons mangeurs, mettez-moi pour 15. Moi, je verrai ça. D'accord. Bon. On va aller là quand même. Allez, oui. Ouais. Je vais demander à ma femme quand même, hein, je serai plus tranquille. Comment ça, ils viennent pas? Oh là là, mais t'aurais dû m'appeler plus tôt. Là. Je suis chez le boucher, là, il vient de couper le roast beef. C'est pour combien, là? Là, pour 8. Ouais, très bien.
Très bien. Attendez. Vous avez coupé ? On peut, s'il faut entier, on peut toujours... Non, elle dit que 6. Ah bah alors on fait quoi alors ? 4 ? 4. Pour 4. Pour 4 personnes. Bon allez, voilà ce morceau-là. Hein. Hop. Voilà. Oui, bah pour 4. Quoi ? Attendez. Ah non, là, il vient de couper le monsieur. Là. Voilà, et il se retrouve comme un con, le monsieur, avec trois. Tu lui as fait couper un roast beef pour 10 personnes en 3. Bah, attends, mais le prends pas sur ce ton. Écoute, tu fais ce que tu veux. Alors, oui, bah voilà, tu bouffes avec tes parents, c'est très très bien. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, ciao. Bon, bah, je suis désolé. Je vais prendre pour moi, alors, puisque je suis tout seul. Du jambon, vous avez ? Combien voulez-vous ? Allez-y, coupez, je vous dirai. Oui, vous me dites quand même un peu avant. Allez-y. Mange 4, allez-y, une base. Ça. Allez-y. Il y en a combien là ? Une petite dizaine. Allez-y. Top ! Je veux celle-là. Laquelle ? Celle que vous avez dans la main. Là. Celle-là ? Celle-là. Non, non, seulement celle-là. La dernière. Attendez, là, je vous suis plus, là. Vous prenez tout ? Non, non, juste celle-là. Mais pourquoi vous avez fait couper cette tranche, alors, monsieur ? Parce que c'est au début, et c'était non, pas... Ah non, non, ça va pas, ça, vous rendez compte ? Vous rendez compte ? Ça se fait pas, ça. La jambe. Ça va pas, vous me faites bousiller un filet, déjà ? Vous me faites bousiller du jambon ? Non, mais qu'est-ce que c'est, ce travail-là ? Et les autres, alors ? Je vais les manger, moi. Vous faites des endives au jambon ? Ah oui, allez, ça va comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors je vous compte une tranche de jambon, je vous la compte 100 balles alors avec tout ce que vous m'avez fait couper là. Allez, 9,50, on va pas discuter, on va pas chipoter là. D'accord. Vous prenez l'échec ? Ah non, pour ça non. Ah non, non. Vous prenez pas de jambon, un chèque ? Pour une tranche de jambon, un chèque. Allons. Aujourd'hui, j'ai décidé de vérifier l'expression « avoir le cul bordé de nouilles ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « avoir le cul bordé de nouilles » ? Ça veut dire « avoir de la chance ». Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Oh, bah ça tombe, il y a une pizzeria, dis-donc. Bonjour. C'est pour la télé. Je dois vérifier une expression. Vous avez des nouilles ? Bien sûr qu'on a des nouilles. Alors, vous me faites un bon gros plat de nouilles pour une dizaine de personnes, mais pas d'huile piquante, hein, ça irrite. C'est parti. D'accord, je me mets là-bas ? Installez-vous. Merci beaucoup. Ah, voilà, un beau plat de nouilles. Posez-le là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, on peut y aller. C'est parti. Et hop là. Voilà, là, je crois que c'est clair. Là, j'ai le cul bordé de nouilles. Et bien, maintenant, on va vérifier si on a de la chance. Un petit gratte-gratte. C'est parti. Perdu. Perdu. Ouais. 7. J'ai gagné. On va voir combien j'ai gagné. 2 euros. Ouais, j'ai gagné, ça marche. Ça marche. 2 euros, j'ai gagné. Ouais. Voilà, j'ai gagné. Ce qui prouve bien qu'on a de la chance quand on a le cul bordé de nouilles. La prochaine fois, je vérifierai l'expression « partir sur un coup de tête ». Pourquoi attendre la prochaine fois ? Allez, barre-toi maintenant. Mais, moi, dis donc. Bonjour, c'est Troc Troc, votre jeu quotidien de tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à Cormeilles en Parisie et on va vous faire gagner plein de cadeaux. Allez, venez les filles. Ouais, Pascal ! Ouais, comment ça va ? Salut, c'est Troc Troc. Ils sont là, tes parents ? Venez. On va vous faire gagner des cadeaux. C'est pas grave, dépêchez-vous hein, parce qu'il pleut hein, et puis les filles elles ont froid. Bonjour madame. Bonjour. C'est Troc Troc, c'est le nouveau jeu. Venez. Mais c'est pas grave, nous aussi on est en pyjama. Vous connaissez le principe de ce jeu ? Bonjour monsieur, venez. Il y a un cadeau pour nous ? Oui, il y a des cadeaux pour vous, venez. Est-ce que vous êtes joueur ? Ça dépend. Ça dépend ? Ouais. Vous voulez gagner des cadeaux ou pas ? Oui. Allons-y. Alors, dans un des cadeaux, il y a un home cinéma. Oui. Dans l'autre, il y a des bonbons des pour bonbons. Les enfants. Oui. Leur poids en bonbons. Et dans l'autre, c'est un épluche légumes. Alors, vous allez pouvoir choisir un de ces cadeaux. Mais en contrepartie, il va falloir nous troquer quelque chose de chez vous. Est-ce que vous prenez le risque ? Ça va de quoi à quoi ? Ah, ouais, c'est moi qui choisis, hein, ça sera... C'est vous qui choisissez ? Ah oui, c'est moi qui choisis. Ça va être plutôt compliqué. Pourquoi ça va être compliqué ? Non, il y a plein de trucs à prendre ici. Prendre le bébé, par exemple. Vous en avez plein. Allez, viens voir papa. Vas-y, lui. Viens. Tu viens avec papa ? Vas-y, lui. Hein ? Non ? Contre un cadeau ? Je prends ça, moi. Non, il veut pas. Méfiant, il est.
Il aime les Allez, on est joueur. Oui. Vous êtes joueur? Pourquoi oui. pas Ok, alors on va demander à Maître Véreux de bien vouloir vous faire signer le papier. Maître Véreux. Comme quoi vous êtes d'accord pour troquer un de vos objets contre un des cadeaux. Allez-y, signer de manière... Ouais, voilà. Aussi, merci. Hop. Tac. Tac. Il a signé. Hop. Allez. Alors, il y a un jaune, il y a un bleu, il y a un rouge. Lequel choisissez? Le bleu. Le bleu, t'es sûr? Oui. Le bleu, ok, elle a choisi le bleu. Bon, bah maintenant, c'est moi qui vais choisir avant de savoir ce qu'il y a dans le paquet. Venez, venez, les amis. Il n'y a pas un truc que votre belle-mère vous a offert que vous n'avez pas du tout envie de le garder? Hein? Dites-moi. Quoi, ça, le biberon? Non, non, je vois pas le biberon. Pas le biberon. Un fruit. Un fruit? Non, 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 pas un fruit. Un fruit. Oh, un verre. Non, non, pas un verre. Attends, je vais regarder le canapé, il a l'air bien, dis donc. Oh, il est bien le canapé, dis donc. Oh ouais, il est bien le canapé. Oh non. Et si je vous prends votre canapé? Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il raconte, elle? On va voir, dans la cuisine, peut-être. Hein. Elle est là, la cuisine. Elle est là. Oh, pardon. C'est la cuisine, là? Oui, parce qu'elle est là. Oh là 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 là. Ce bordel. C'est quoi vous faites? Les beignets. Comme vous étiez là. Ah oh, bah c'est gentil, tiens, je vais goûter. Donne-lui. Ah non, ils sont pas bons. Ici, ils sont bons. Parce que tu étais là-bas. Arrêtez. C'est bon, oui, j'ai arrêté. Mais tu veux goûter, tant pis, hein. Je sais pas. Non, vous voulez pas goûter? Non, il y a rien qui me plaît. Je sais pas. Non? Vous voulez pas goûter les beignets? Moi, je goûte. Ah, regarde ce que je vais prendre. Je sais ce que je vais prendre. Regarde ça. Ma langue? Je veux ça. Ah ouais, je veux ça. Oh, c'est super kitsch, ça. Ouais, je veux ça. Henri, je vais prendre ça. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est bon? Tu peux le prendre? D'accord, autant que le pari. Oh bah c'est gentil. Allez hop. Zeus, Apollon! C'est mes déménageurs. Ça se voit avant? Tiens, on prend ça. Pour mettre dans la voiture, c'est top, non? Hop, merci beaucoup. Bah maintenant, vous allez voir ce que vous avez gagné. Alors... Vous donnez un grand coup, pas sur la fille, hein, pour casser le truc. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Déchire. Échange la balance contre la petite lampe. De toute façon, t'as pris le biscuit. C'est bon? Ah, c'est les bonbons. Des bonbons. Venez les enfants. On pèse les enfants? Ouais. Allez, les enfants. On en a combien ici? Pas tous, hein, juste un. Ah. Quoi non? Allez, Fanny, viens. On l'a pris, t'as pris la plus grosse. Les très grosses. Non, non, tu viens pas toi. Pourquoi? Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi elle est trop petite? Oui, elle bah dégage. C'est pas assez. Elle est pas assez lourde. C'est pas méchant. Allez, vas-y. Mets-toi sur la balance. T'as peur de quoi? Ça mord pas. 2 kilos, il fait. 49 kilos? Tu fais 49. T'es beaucoup trop gros. Ah non, t'as plus petit. Pour une lampe, 49 kilos. Viens, viens, viens. Non, c'était parce qu'il était prévu. C'était prévu. 49 kilos. Un cadeau? Non, ne viens pas. Si, si, viens, viens, viens. N'écoute pas papa pour une fois. Pèse-toi. Vas-y, combien tu pèses? 25 kilos. Eh ben, vous avez gagné 25 kilos de bonbons. D'accord. Zeus, Apollo, les bonbons. Reste là, reste là, reste là. Là, regarde ce que t'as gagné. Happy birthday. On va ouvrir une boutique et surtout c'est l'anniversaire de la petite pauvreté. Prends-le, c'est pour toi. Oh là 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 là. On ouvre une boutique. Voilà. Voilà. On va ouvrir une boutique. Merci. Ben voilà. Merci, merci. Alors ça vaut le coup, non? Bah oui. Hein? Surtout qu'on, que la lampe, la télé, elle marche pas. Elle marche. Elle marche? Elle marche. C'est sûr? Ah oui. Bon. De toute façon, on n'a rien perdu. Non. On a reçu deux gens, ben ça fait déjà quelque chose. C'est gentil. On se fait un bisou? Et bon anniversaire, hein. À bientôt. Allez, au revoir tout le monde, hein. Et vous m'enverrez la note du dentiste, hein. Ben oui. Allez, au revoir. Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes fou de m'appeler comme ça? J'étais en train de changer une ampoule. Ouais, désolé, excuse-nous. Ça va, Patrick? Ouais, putain, heureusement que c'était vous. Ça va? Ouais, ça va mieux. Bon, putain. Alors ça te dirait d'aller faire un gars avec nous? Ah ouais, si vous voulez, allez, on va faire les fous. Attends, okay. Ah, ouais, ça va, ça va, voilà, là on peut y aller, là. Let's go.
Eh ben ça alors, c'est la première fois que je me fais téléporter. C'est pas mal, hein. Putain, c'est incroyable, là, quand même. T'as pas, ça, t'as pas tout vu, regarde. Hop là. Oh, Patrick. Ça, ça, ouais. Mon petit gars, tu sais ce que c'est? Non. Ça matérialise les pensées. Non, ça déconne. Je te jure. C'est vrai? Ouais, ouais, tu le mets. Fais voir. Sur ta tempe, tu penses à un truc. Non. Et ça se réalise. Appuie sur le bouton bleu, là. Concentre-toi. Tac. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Appuie le bleu. C'est extraordinaire ce truc, quoi. Oh putain. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Il y a bon, que toi qui as ça, alors. Quoi, c'est que moi, c'est... Oh là là, putain, on pourra s'en servir après encore, maintenant. Ah, merci. Bon, sinon, qu'est-ce que t'as envie de faire comme gag? Ben moi, j'aimerais bien faire une caméra cachée, tu vois, avec des belles filles, quoi. T'as qu'à faire. Voilà, un petit peu habillé en maillot de bain. Bah, tu vois, c'était possible. Voilà. Là, je demande, après, tu un casting de mannequin. Voilà, plusieurs aussi. Allez, plaît, regarde, appuie sur le bouton jaune. C'est vrai? Le jaune. JP t'a expliqué ce dont il s'agit. Donc, Mexicana, c'est la boisson qui est à côté de toi. Mm-hmm. Le slogan, c'est Mexicana, la fraîcheur du Mexique. Vous souhaite une bonne soirée. Donc, tu prends la bouteille, tu ouvres la bouteille, tu te sers un verre, tu bois et tu dis le slogan après, d'accord? D'accord. Ok. Mexicana, la fraîcheur du Mexique. Vous souhaite une bonne soirée. C'est parti. Top, s'il vous plaît. Pas pour cul. Je veux pas ouvrir la bouteille. Tu veux pas? Non, c'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Mexica... Merde, attends. J'arrive non, pas. Non, on va la refaire. C'est ça le merde. C'était bien ça, c'était bien parti de texte, mais après Mexicana, y a pas merde, mais non, d'accord? Non, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Plus fort. Une grande vie comme toi. Bah... Bien sûr, la perche. Bien sûr. Pardon. Bon, on va changer la bouteille alors, s'il vous plaît. C'est pas possible, ça, d'avoir une bouteille qui s'ouvre pas comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Ah, voilà. Mexicana, la fraîcheur du Mexique vous souhaite une bonne soirée. Oh là là. Mexicana, la fraîcheur du Mexique vous souhaite une bonne soirée. C'est parfait, 100 euros quand même, hein, d'accord? C'est ultra piquant. On va recommencer tout de suite. Attention, ah pardon, j'ai pas dit top, c'est de ma faute. Pardon, excusez-moi. Mexicana, la fraîcheur du Mexique, vous souhaite une bonne soirée. Non. Je peux pas boire ça, hein? Vous avez goûté? Top! Je suis désolé, mais tu bois pas, quoi. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut boire, il faut... C'est trop fort! Oui, mais c'est une insulte au Mexicain que tu fais, là, quand tu bois comme ça, quoi, tu vois. Fraîcheur du Mexique, c'est ça quoi, juste après que la glotte le descende quoi, tu vois. Mexicana, la fraîcheur. Le regard, il est là, le regard. Je peux pas boire ça. Une bonne gorgée, allez, on y va. Mexicana, la fraîcheur du Mexique, vous souhaite une bonne soirée. Non, c'est une bafouille. Top, le texte. Mexicana, la fraîcheur du Mexique, on souhaite une bonne soirée. Elle boit pas, elle triche. Je sais pas. Non, Raymond, écoute. Hein, elle crie, bah, je la vois, elle boit pas. Ah bon? Elle boit pas. Fait semblant. C'est dégueulasse. Elle buvait-le. Oh non. Elle a crevé. Mexicaine, la fraîcheur du Mexique. On vous souhaite une bonne soirée. Ah ouais? Hein? Ah bien, pardon. Ouais, je te regarde, excuse-moi. Je regarde mon plan et. Mexicana, la fraîcheur du Mexique vous souhaite une bonne soirée. Ouais, sauf que là, là, c'est pas vraiment dans le visage, c'est la désolation, quoi. Faut mettre plus de... Raymond, tu peux t'écarter un petit peu, on va faire un raccord. Vite, coiffure, la mèche, s'il te plaît. Mexicana. Non. On va le refaire tout de suite, hein. On va le refaire tout de suite. Mexicana, la fraîcheur du Mexique, vous souhaitez une bonne soirée. Ben c'est parfait ça. Sauf que ce qui serait bien, c'est de le faire sans le... Ah oui, là, mais... On a senti d'un coup des flammes qui sont sorties de... Ah oui. T'as une crotte, pardon, juste, excuse-moi, mais t'as juste une crotte là, quoi. Non, on peut l'aider, quelqu'un? Mexicana, la fraîcheur du Mexique, vous souhaite une bonne soirée. Mexicana, la fraîcheur du Mexique, vous souhaite une bonne soirée. Mexicana, la fraîcheur du Mexique, vous souhaite une bonne soirée.
Oui, c'était un peu parlant pour chanter quand même. Ouais. C'était un petit peu... Mexicana, la fraîcheur du Mexique. La fraîcheur du Mexique. Vous souhaite une bonne soirée. Vous souhaite une bonne soirée. Et bienvenue à une caméra cachée de mon ami Pascal Célem. C'est Pascal Célem pour MTV. Il est 9h05, dans 5 minutes, le match OM Paris Saint-Germain. Et comme j'ai pas de télé, comme d'habitude, bah, je vais aller chez les gens. On est à Marseille. On est où là? À Marseille. À Marseille. Je suis avec Kamel. Et puis on va taper chez les gens. On y va. C'est bon, je suis bon, j'ai sonné. Mais ça fait rien comme ça, ils savent qu'il y a quelqu'un quoi. Chut, viens. Bonsoir, oui. C'est Pascal Célem pour MTV. Oui. On peut venir voir le match chez vous? On peut regarder le match? Oui, si vous voulez, il n'y a c'est pas de souci. Je suis avec Kamel, vous connaissez Kamel, l'humoriste marseillais? Oui. On peut venir? Ah, il n'y a pas de souci. Oh, c'est gentil, c'est merci. Il n'y a pas de souci. C'est allez-y. Gentil. Allez, venez. Faites attention, c'est droit. C'est vrai? Merci, monsieur. Oh, allez-y. C'est mignon. Oh. Mais vous regardez le match là. Ah, on est en train. Il y a plein de monde. Il y a un peu de monde là. Ah, il y a du monde là. Bonsoir. On peut se mettre là? Allez. C'est gentil, allez-y. Merci. Ah, c'est ça commence en combien de temps? Ah, bah là, il va commencer. Ah, bah c'est gentil. Allez-y. C'est gentil. Hein. Allez-y. Ah. On n'a pas trouvé de télé, donc on s'est dit, bah. Ah, oh. Je crois que tu es en train de tomber amoureux de moi, toi. Oh non, pas léché. C'est à vous le chien, madame? Oui. Vous savez quoi? Oui. On va le tuer. Non. Il file dans ta chambre. Vous êtes pleine, non? Ah oui, je suis pleine. C'est de combien? 6 mois. 6 mois? Excusez-moi, je peux mettre les pieds là? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, non, parce que, c'est bon, gentil. Moi, merci. Je vous explique que quand je regarde un match, oui. Je prends mes aises. C'est vrai. Je suis désolé, je ne veux pas mettre le bordel chez vous. Moi, je suis calme. Mais moi, au moins, j'enlève mes chaussures. Non, mais moi, j'ai plus des pieds. Mais moi aussi, j'ai plus des pieds. Ouais, mais si j'enlève mes chaussures, il n'y a que toi et moi. Vous nous dites, hein, parce que je sais que les odeurs pour les femmes enceintes, c'est très très fort. Non, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur? Vous êtes sûr quand même? C'est quoi votre nom de famille? Attard. Attard. Dans la famille Attard, le grand-père, le petit-fils, la fille et le beau-fils. Il s'appelle Dédé. Hein. Dédé. Attard Dédé. Attard Dédé, d'accord. Allez. Ouf. Ah non, pas de gros mots. Alors, ouais. Le premier qui dit un gros mot, c'est une grande claque. Hein. Ah ouais, mais alors on peut pas dire PSG, hein, parce que c'est un gros mot. Ah ouais, on n'a pas le droit non plus. C'est quoi la spécialité culinaire de Marseille? La bouillabaisse. Là, la bouillabaisse. Et... Ouais. Il n'y en a pas. Et il faut combien de temps pour faire une bonne bouillabaisse? 3 heures. 3 heures? Moi, je vous donne 10 minutes, moi. En boîte. Ah, vous avez de la boîte? Ça va l'ouvrir et leur passer au four du poing. Voilà. Que vous avez mangé, nous on n'a pas du tout mangé. Des pâtes? Non. Des pâtes. Bouh, ça dépend quoi. Hein. Ça dépend quoi. Des pâtes bolognaises? Il y en a? C'est possible? Bah, c'est des bons là. Allez. Non mais attends Pascal, t'es gentil, de suite on commence à manger. Si on buvait un coup, ouais, d'accord. Lionel, tu peux aller nous chercher à boire si ouais, sans le commander. Quoi. Hein. Alors, un jus d'orange à la bière, ouais. Parce qu'on n'a pas le droit à l'alcool. Et moi, un jus d'anis, s'il vous plaît. Ok. Et où est-ce qu'il casse son argent, ton papa? À côté de quoi? À côté de l'ordinateur, il cache son argent. Dis-moi où. On va plus savoir. Là? On va plus savoir. Je connaissais pas cette planquette. Eh ben lui, c'est. Ah ouais? C'est vrai, à côté de l'ordinateur. Le voilà. En tout cas, c'est la première fois qu'on vient voir un match avec un couple échangiste. Sauvé, Eli. Oh. Hey, attends, tu vas me crier comme ça dans les oreilles pendant toute attends, la soirée? Pascal, le match c'est important. Je sais que c'est important, vas-y. Mais on est en train de trinquer. Sébastien, tu trinques avec nous? Allez, et allez l'OM. Hein. Tu me dis, depuis qu'il y a Niang à l'OM, c'est rempli de Chinois au stade. C'est pas un Chinois, c'est un Chinois alors. Oh, je vais le mettre à ton spectacle. Oui, alors, je tiens à vous dire que je vous invite tous à mon spectacle qui commencera le 9 novembre jusqu'au 21 novembre au Quai du Rire à Marseille.
Ouais. Mon premier one-man show qui s'appelle Elio la caméra. Donc vous serez mes invités puisque vous avez eu la gentillesse de nous inviter ce soir avec Kamel pour regarder le match. Merci. C'est 80 euros. Vous pouvez régler tout de suite. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous mettre sur le canapé? Ça me dérange hein, de voir une femme enceinte sur une chaise toute pourrie. Enfin, toute pourrie. En tout bien, tout honneur, une chaise un peu dure. Tu sais, tu t'es pas beaucoup trompé, Pascal. Regarde la maison. Oh, enfoiré. Je rigole. On peut vous avez le droit de le taper. Hein. C'est quoi comme, race, ce chien? Pincher. Pincher, c'est quoi? C'est un turbo diesel? Le Pincher même. Et ça craint quand même, hein. Oh. Arrête, non. Ça pue, c'est le petit qui pète depuis tout à l'heure. Ou c'est le chien. Ah, ça pas ah ouais, le chien. Ou c'est toi. Ou c'est le bébé. C'est le bébé alors. Vous allez pas rire bêtement comme ça pendant toute la soirée, j'espère. Oh la merde. Oh là, le mec c'est encore pire. T'as compris pourquoi son fils rigole comme ça? Oh là là. Et vous vivez toute l'année ici? Ouais, ouais. Non, ils sont en vacances. Non, je pose la question parce que franchement, je ne tiendrai pas une semaine. Excusez-moi, vous avez allumé le chauffage ou quoi? Non, pas encore. Il fait chaud. Il va falloir coucher le pépé, hein. Il a chaud. Et ça va, monsieur, c'est beau. L'amitié, c'est ça, vous recevez des gens chez vous, c'est un minimum, quoi. Déjà, vous nous recevez chez vous, il n'y a pas la clim, on dit rien. Au bout d'un moment, on a chaud. Il veut prendre une douche, c'est gentil. La douche, les spaghettis, on va dormir ici. Attendez, les spaghettis, si. C'était pas bon. Vous avez une serviette? Ouais, oui, allez. Ah oui. C'est pour les serviettes qui manquent. Allez. C'est vrai? Voilà. C'est gentil. Hein. Allez-y. Mais elle est douce, hein, la serviette. Hein. Ah ben, ça. Bon, après, on va dormir ici, après. Ah ben. Je vous laisse, la serviette. C'est laquelle? Évidemment. Ah oui. Mis la serviette. Allez. Allez. Bon. On voulait ça. Oh, y a pas d'eau chaude. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça rafraîchit, non? Merci, hein. De rien. Ah ben, de rien, hein. Comme chez vous. Ça va être un beau bordel dans 5 minutes si vous me dites ça. Il fait froid maintenant. On met le chauffage. Vous voulez pas prendre la douche vous aussi? Non, non, moi ça va, moi je suis propre. Non, laisse-le. Arrête, tu es comme les chiens. Repasse, repasse. Bah, allez. On ne le mettra pas ce soir. Hein. Mais si, pourquoi? Sois pas. Sois positif. C'est la talonnade. À la fin, on peut se prendre un but et c'est tout. Hein. Arrêtez de dire ça. Vous allez nous porter la chkoumoune. Si c'est comme ça, nous on s'en va. Hein. On a été bien gentils d'accepter de venir chez vous. Un sac? Que les pâtes. Un sac? Oh Pascal. Oh. Va aux toilettes. Fais-moi la serviette. Non, pas de loin, mais non. Attends, il va venir là, attends. Regardez, vous avez mis quoi dans les... Dans les pâtes. Sérieux là. Oh, arrête. Aux toilettes. Hein? Aux toilettes, aux toilettes. Putain, Pascal, ça sent mauvais là, ça sent les... Oh, le vomi. Fais goûter. Mais c'est pas du vrai. Allez, c'est maintenant. Corner. Fais les on zappe. Ouais, 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 ouais. On a marqué. Ouais. N'oublie pas que le petit, il faut l'appeler Pascal. Hein. D'accord, Pascal, hein? D'accord. Pascal, hein. D'accord. D'accord. Je lui fais un bisou aussi. Au revoir. Et on a gagné. On a gagné. On a gagné. Merci infiniment. Allez, au plaisir. Au plaisir. Allez, au revoir. Allez, merci bien. Au revoir. Viens, Kamel. Allez, viens. Allez.
Et vole rien, Kamel. Allez, sois gentil. Allez, au revoir, merci. Au revoir. On peut sortir ou pas? Mais ouais, mais non, vous allez m'enlever tous mes câbles. Ben, non, ben, écoutez, peut-être, mais moi je veux sortir, merde. Ben ouais, mais ouais, je sais pas, moi, on m'a dit de la mettre là, la cabine. Ah ben non, mais écoutez, foutez-la là, surtout que je suis pressé, j'ai rendez-vous en charge. Oui, mais là, elle est câblée en dessous, attention, malheureux, vous allez tout me décâbler. Non, mais on croit rêver, hein. Hop. Hey, c'est une sortie de parking, ça. C'est à carte, hein. Vous avez une carte? On s'en fout. Que ce soit carte. Moi, je téléphone pas, je sors ma voiture. C'est un parking, ça. Il y a 1000 voitures là-dedans. Pourquoi ils m'ont dit de la mettre là, moi? On nous fait sortir par là. Pourquoi? Ah oui, mais là, vous voyez pas qu'il y a une cabine téléphonique? Bah, dites donc, quand vous êtes dans le garage, vous pouviez la voir, vous? C'est de la bêtise. Ben non, mais je sais pas, moi. C'est les gars. Les gars, ils savent pas, ils vont faire sortir tout le monde par là. Bon, je vous laisse faire parce que moi, je veux pas que mon patron voit ça. Allez-y. Merci. Bah, attendez, elle téléphone. Excusez-moi, monsieur, là, j'ai besoin de téléphoner. Moi, j'ai besoin de sortir ma voiture. Oui, qui et est moi, là. J'ai besoin de téléphoner, c'est urgent. Mais laissez-la, laissez-la téléphoner, malheureux. Mais moi, je suis pressé, il y en a un autre dernier. Oh là là, regarde-moi ce travail. Oh. Prends-la. Non, attention le plexi, monsieur. Non, restez. Non, vous avez cassé. Attention. Oui. Couche. Pas fait ça à faire, nous, vous voyez bien que vous êtes en train d'embêter tout le monde avec votre portable. Encore. Voilà. Comme ça, c'est bon. Allô, Roger, tu peux revenir là parce qu'il semblerait qu'on ait mis la cabine où il fallait pas. Ok, on est là d'ici une heure. Une heure, vous pouvez pas plus vite parce qu'il y a un monsieur qui est coincé. Mais c'est pas possible, nom de Dieu, moi j'ai un rendez-vous, putain, mais je vais me plaindre à la police, aux gendarmes, mais vous êtes complètement con, merde alors. Vous voyez pas que c'est la sortie d'un parking? Non, mais franchement. Mais écoutez, vous me ferez pas aimer l'an 2000 avec ça. On peut pas la pousser un peu? Je n'ai pas pour longtemps. Ben moi, je vais pas rester 2 heures ici, non? Vous vous rendez compte, non? Oui. Moi aussi, je travaille. Il faut bien que j'aille bosser. Je sors du parking, il y a une cabine en plein milieu. C'est stupide. Vous pouvez pas la mettre là? Oui, mais là, il y a un poteau. On peut pas la mettre devant le poteau. Vous la mettez là? Ah, bah, écoutez, c'est vous. Non, mais vous aussi, vous commencez à me casser. Vous la mettez là? Je sais pas, moi. Oh, pas sur la voiture, malheureux. C'est pas possible, merde. Ah, vous êtes pas doué, hein? C'est pas moi qui suis pas doué, c'est vous qui l'êtes pas. Ah bon? Putain, c'est pas vrai. C'est pas un portable, hein? C'est pas un portable, ça? Si? Non. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette fanfaronnade? Ah, ça, c'est de la fanfaronnade, comme vous dites. Pourquoi ils m'ont... Pourquoi vous mettez votre cabine ici? Je comprends pas. C'est pas moi, hein? Ah bon? Moi, j'y suis pour rien, là. Bon, bah, merci, monsieur. Allez. Non, ah, écoutez, quand même. J'embrasse pas les hommes. Bon, moi non plus, mais vous êtes tellement sympathique. Touche pas ça. Touche pas.
Il va vous ouvrir. Non, Karine, je veux que ce soit toi qui m'ouvre. Parce que je suis tombée amoureux de toi. Tu es habillée comme moi, en noir et blanc. Tiens, t'as dit bon, je suis habillée. Comment vous savez ça? Allô? 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 J'appelle pas dans une cabine, là? Non, dans une voiture. Bon, arrêtez de déconner. Passez-moi le docteur, s'il vous plaît. Non, mais on rigole pas, là. Il y a une voiture qui parle. N'importe quoi. Et je vous assure que là, c'est... vous appelez dans une Fiat 500. Ah, c'est toi, Richard, c'est toi? Non. Tu peux pas t'empêcher de faire le con, hein. Non, mais non, c'est pas Richard. Non, c'est pas Richard. Vous êtes en retard. Quoi? Déposez le sac dans la voiture. Je vous l'apporte? Oui. Posez le sac, voilà. Fermez la porte. Voilà. Maintenant, partez en courant. Non, bah non, ça va pas. Pourquoi? Bah, j'ai une affaire de cours là-dedans. C'est quoi cette histoire? T'es pas X22? Oh, bah non. Allô? Oui. Ouais, tu m'entends? Maman est près de toi? Elle est juste à côté. Eh ben, il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Maman, c'est quelqu'un pour toi. Oh, dis-lui que j'ai mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Allô? Ouais. Tu pleures? Non. Tu dois être super fort en casque. Moi? Ouais. Ouais. T'es fort en casque. Ouais. Je te propose un défi. Ouais. Ça s'appelle le Bilbo casque. T'enlèves le tien déjà. Tu le mets comme ça, tu jettes en l'air et tu le rattrapes sur la tête. Aïe. Allez. Oh l'enfoiré. Hop là, c'est mort. Alors tant que tu saignes pas, on continue. Ah ouais? Aïe, aïe. Ah. Ouais, vas-y. T'as mal? Bah oui, hein? T'as mal, hein? Bon, pas sur la caméra. Ouais, la face. Vas-y, sur la tête. Ouais, je l'ai. J'ai failli, hein. T'y crois pas là, on sent que t'y crois pas. Voilà, bravo. Oh, oh. Alors j'ai gagné quoi? Quoi? J'ai gagné quoi? Tu vas faire l'amour avec la petite. C'est tout? Quoi, c'est tout? Bonjour, c'est Troc Troc, votre jeu quotidien de tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à Aubonne et on a plein de cadeaux à faire gagner. Et en plus, c'est livré à domicile, c'est pas top ça? Allez, venez les filles. Et les gars aussi. Hein. Là, il y a quelqu'un. Oui? Oui, bonjour madame, c'est de la télé. Oui? Vous venez? Pour faire quoi? Ah ah, pour gagner des cadeaux. Oh. Ta-ta-ta. On vous attend. Bonjour, c'est Troc Troc. Bonsoir. Vous connaissez? C'est un nouveau jeu. On va vous proposer 3 cadeaux à choisir. Dans un de ces cadeaux, il y a un DVD avec 10 films, un lecteur DVD avec 10 films. Mmh. Dans un autre, il y a une console de jeu. Vous avez des enfants? Oui. Oui. Et dans un autre, il y a un épluche-légumes. Oh. Ouais. Bon. Remarquez, j'ai jeté le mien, donc. Donc, je vous propose de choisir un de ces 3 cadeaux. Mais en contrepartie, vous allez devoir me troquer quelque chose de chez vous. Alors, est-ce que vous prenez le risque de choisir un de ces 3 cadeaux? On va prendre le risque. Vous prenez le risque? Tout en sachant que c'est moi qui choisis ce que vous allez troquer. Hein. On y va. Maquilleuse. Allez hop. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Ah, attendez, avant. Choisissez quelle couleur? Bleu. Bleu. L'espérance. Bleu. Allez, on y va. C'est parti.
Donc, vous avez choisi le cadeau bleu. Je vous laisse m'ouvrir. Hein. Voyons voir ce que moi je vais choisir maintenant. Oh, ah, c'est très joli ici, dis donc. Oh, des poissons. Oh, ça c'est top. J'ai toujours rêvé d'avoir un aquarium. C'est pas mal un aquarium. Enfin, il y a de l'eau, c'est un peu pour... Ça vous arrange bien en même temps. Le canapé, il est pas mal des dents. Hein. Ça irait bien avec mes yeux. C'est beaucoup le canapé, non? Si vous voulez, ça vous fait plaisir. Ouais, faut pas me le dire deux fois, moi. Allez. Allez, Zeus, Apollon. Pourquoi pas? Allez, je prends le risque. Vous voyez? Le canapé, s'il vous plaît. Vous voyez, hein? Je me dégonfle pas. Bon, bah voilà. Donc, je vous laisse ouvrir le cadeau. Vous mettez un petit coup de poing là-dedans. Qu'est-ce qu'a gagné madame à la place de son beau canapé bleu? Elle a gagné une enveloppe. Bravo! Super! Vous avez gagné? Une console de jeu. Tadam! Bravo! Alors, contente ou pas contente? Personnellement, pas contente. Mathias! Zeus, Apollon! Une console de jeu, s'il te plaît! Oui, Mathias, viens nous voir. Tu vois, tu vas dire merci, un grand merci à ton papa et à ta maman. Tu viens de gagner une console de jeu. Tiens, je te la donne tout de suite, regarde. Hop, avec trois jeux. Et c'est de la balle. Tu peux y aller, c'est des super jeux. T'es super content? Ouais. Ouais. Demande à ta mère si elle est contente, parce que tu sais contre quoi elle a échangé ça? Non. Regarde. Y a rien qui manque ici? Merci, un canapé. Ça. Ouais, voilà. Donc, on a troqué ça contre le canapé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça me dérange pas. Lui, il est super d'accord. Hein. C'est normal. Bon, bah merci beaucoup, je vous fais la bise. Allez, au revoir, on dit merci troc-troc. Merci troc-troc. Et en plus, tout est reversé des associations caritatives. Donc votre canapé, il ira à des bonnes œuvres. Eh bah, ben c'est parfait. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Mais t'as qu'à me taper, toi. Allez, à demain. Ça va pas, non? Voyez pas qu'il y a quelqu'un? Non, je l'ai pas vu, monsieur. Mais c'est fou, ça, quand même. En plus, elle est vide, la bouteille. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ben, c'est chez moi. C'est chez vous? Ouais. Ah bon, ben je ne savais pas. Aïe! Ah ben oui, mais comment on peut savoir? Oh, moi, il fait mal. Ben oui, mais je peux pas le deviner. Vous voyez pas, là, c'est écrit, là? Ben, il y a écrit l'autre. Il y a rien écrit, là. Oh, la vache. Eh ben oui, mais je suis désolé, mais il n'y a rien écrit là. Regardez, il n'y a rien écrit là. C'est con. Il y a quelqu'un là-dedans. Bah, faut frapper avant d'entrer dedans. Qu'est-ce que vous faites? L'eau dans la gueule. Bah, pourquoi vous m'envoyez des bouteilles dans la gueule? C'est normal, c'est une bouse, c'est une... C'est une quoi? C'est une machine de bouteilles. Mais non, vous voyez bien que c'est chez moi ici. Vous m'envoyez des bouteilles vides et j'en ai pris une sur la tête. Eh bien oui, c'est normal, mais c'est pas un jeu de cachette ici. C'est pas un jeu de cachette, c'est ma maison. Ah, depuis quand? Bah depuis ce week-end. Foutez de ma gueule, là. Pourquoi vous mettez les bouteilles là-dedans? Bah attendez, là, c'est pour mettre les bouteilles là-dedans, non? Bah vous voyez pas que c'est chez moi? Ah bah comment voulez-vous que je le sache, là? Bah, chier, putain de merde. C'est écrit, pourquoi? Ah là, non, vous parce que là, vous m'avez arrosé, espèce de gros con, là.
Hop, 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 hop. Oh, pardon. Attendez. Je peux le prendre? Voilà. Vous le prenez. Tenez. Tenez. Pourquoi vous donnez de l'argent? Bah, 2 bouteilles, 4 francs. Depuis quand? Bah, depuis cette semaine, c'est pour sensibiliser les gens à mettre les bouteilles en verre dans le conteneur, quoi. Bah, je vous les laisse avec plaisir. Oh, bah, vous êtes bien gentil parce que moi, je suis là toute la journée. En plus, j'ai très soif et les gens, ils mettent que des bouteilles vides, dites donc. Je fais une petite crise d'hypoglycémie. Il faut à manger. C'est du sucre. Au revoir. Et si vous êtes arrivé, vous finissez pas ça? Vas-y. Porté ? Oui. C'est réglé ? C'est sûr, hein ? Vous voulez un verre d'eau, monsieur ? Hein ? Vous voulez un verre d'eau ? Non, je vais prendre du sucre. Il faut aussi du sucre. Ah, c'est gentil. Mais ça, c'est pas assez sucré. Attendez, j'ai pas trouvé. D'accord. Vous voulez un morceau de sucre? Je veux pas ça. Qu'est-ce que vous avez, diabète? Hein? Vous avez diabète, hein? Non. J'ai faim. Il faut manger. Mais c'est ce que je fais. Non, mais il faut manger à midi ou à 13h. Pas le temps. Arrêtez, oh là là. Du melon aussi, vous avez du melon? Oui. Je vais prendre un petit bout de melon aussi. Bah, le melon, j'ai pas à couper, hein. Avant, dans le melon, les deux temps, ils seront 7,95 la pièce. Ah, ouais, parce que moi, je... Ça y est, je vais faire une rechute, là. Regardez. Je vais faire une rechute. Soignez-vous, hein. Hein? Soignez-vous, j'ai dit. Je vais prendre une pêche. Ça va mieux là. Mettez-moi un petit kilo alors. Oui, mais franchement. Non, mais j'ai pas de sous, hein. Hein? Si ton patron il est pas là, tu lui diras que c'était quelqu'un pas, qui était malade. Ah non, je comprends pas. Les abricots sont bons? Non, c'est bon, monsieur. Allez. Vous êtes mieux maintenant? Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. S'il arrive, moi je veux pas. Non, mais je veux rester là parce que si je fais une rechute, je suis plus tranquille, je suis à côté du sucre. Ah non, mais il faut pas toucher là. On a quoi à côté du sucre? Qu'est-ce que ça veut dire ça à côté du sucre? Allez-y, vous prenez votre fruit aussi. C'est pareil. Hein? Bah, vous mangez un peu ici, un peu au fond. C'est le temps que vous arrivez. Non, mais ici, c'est ici qu'ils sont bons les fruits. Bah, arrêtez, monsieur. Allez, vous êtes malade, je ne veux pas faire des machins. Je suis gentil. Laissez-moi travailler ici. Attends, donne-moi un brignon. Non, je ne peux pas, monsieur. Une petite cassette de fraises. Monsieur, s'il vous plaît, sois gentil. Demain. Un pastèque. Un petit bout de pastèque. Non, non, pas là. Je te laisse tranquille. Non, ça se vend ensemble, ça, comme ça. T'as pas des gâteaux, des trucs secs, des gâteaux à boire, t'as pas à boire. Non, j'ai soif maintenant. J'ai rien du tout. T'as pas à boire. Vous comprenez pas ou quoi, merde? Mais si, ben donne-moi encore un non, petit truc à manger. Non, rien dit, c'est ça, tu veux que je tombe dans les pommes encore? Ouais, je m'en fous, c'est pas mon problème, laisse-moi tranquille, c'est tout. Laisse-moi tranquille, monsieur, s'il d'accord. vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. Bon, d'accord. Puisque vous avez dit s'il vous plaît, je m'en vais alors. Allez-y. Merci, un petit bisou. Ça va pas, non? Bon. Les petits beurres. Faut que t'aies fini les trois en une minute. Il faut qu'il n'y ait plus rien dans ta bouche. Hein. Ouais. Et comme j'ai pas de chronomètre, c'est toi qui compte. Et à voix haute. Compte, c'est parti. C'est parti. Compte. Ta main. On est à la bouche. Je sais même plus où j'en suis. Là. Compte. 12, 13, ouais. 14, 15, 19, 20,
il neige cette année. On comprend rien. Il triche, il en fout partout. On prend l'objectif. 56, tu ne prends pas dans ta poche. 57, bien essayé. 58, 59, 60. Allez. Les bras en l'air, quand on s'étouffe, les bras en l'air. Tu veux de l'eau? Tu veux quoi? Tu vas mourir? Dans notre atroce souffrance? Allez, top chrono, ouvre la bouche. Il a fait moins que moi. Ouvre la bouche, ouvre. Oh, non, t'as perdu. Salut, tu veux goûter? C'est un nouveau produit qu'on lance sur le marché. Vas-y, goûte, c'est super bon. Je viens goûter. Tu me dis, hein. Ah, c'est génial. Génial, d'accord. L'aspect, vous le trouvez comment? Je trouve ça marrant. Ouais, marrant. On dirait un peu des médicaments. Bah oui, c'est bon, hein. Ah ouais, c'est délicieux. Seriez-vous prête à remplacer votre laxatif habituel par ce nouveau produit? Oui. Vous en prenez souvent des laxatifs? Ouais. Voilà, doucement quand même, hein. Deux de suite, ça fait beaucoup. Hein. Non. Je vais pas prendre des bonbons comme laxatif. Ah, mais c'est pas des bonbons. Ah bon? Non, c'est un laxatif. C'est le laboratoire La Gerbe qui fait une étude de marché sur... C'est du concentré de pruneau, hein, quand même. Hein. Ah bon? C'est un cachet, c'est l'équivalent d'un kilo de pruneau. Ah bon? Ça se sent pas que c'est du pruneau. Hein. Ça se sent pas ou ça se sent après? Bon, là, ça va pas le faire tout de suite. D'ici un quart d'heure, ça va commencer. Enfoiré, vous avez pas pu me le dire avant. Vous faites quoi après? J'ai cours. Oh là là. Vous auriez dû me le dire. Bah oui, vous auriez pu le dire, ça ressemble à des bonbons quand même. Hein. Un cachet, ça équivaut à peu près à un kilo de pruneaux. Putain, c'est pas bon. Bon, donc je vais prendre votre nom. Vraiment? Madame Vraiment? Non, faut vraiment que vous preniez mon nom. Oh non, vous êtes pas obligé. Bon, je préférerais pas. Bon bah d'accord. Mais je vais bien vous donner mon âge par exemple. D'accord. 37. D'accord. Et votre sexe? Bah, vous voyez bien. Bah non, vous êtes en jean. Féminin. Ah, féminin. Sexe? Masculin. Et la taille? Taille sexe? Non, la taille de toi. Ah ouais. Prenez-en, ça fait aller, hein. Allez-y. Doucement, les enfants. Doucement, les enfants, parce que alors là, vous allez faire caca partout avec ça. Aujourd'hui, je vais vérifier l'expression manger avec un lance-pierre. Alors, ça veut dire quoi manger avec un lance-pierre? Ça veut dire manger très très vite parce qu'on n'a pas le temps. Bon, j'y vais vite là parce que j'ai pas le temps. Bonjour, c'est pour la télé. On peut manger un truc très vite chez vous? Ouais, ma soeur, qu'est-ce que vous voulez manger? Une entrée, un plat, un dessert. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Ok, je me mets dehors? Ouais, allez-y. Merci. Et allez, vite. Voilà, monsieur. Ah, allez, posez tout ça là. Vite. Ça. Voilà, tenez. C'est quoi ça? Bah, c'est un lance-pierre parce que je suis pressé, je dois manger avec un lance-pierre. Bon, voilà, c'est gentil. Oh putain, super, allez. Oh ouais. Ouais. Voilà, manger avec un lance-pierre c'est possible, mais ça tâche un tout petit peu. La prochaine fois, je vérifierai l'expression « enculer les mouches ». Non, je déconne. Je boirais bien un petit verre d'eau, moi, maintenant. J'ai tiré trop fort, là, non? Salut, c'est Pascal Selem. Si tu veux suivre mes conneries, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de liker et partager.